Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous fais cette petite vidéo qui sera une vidéo en fait d'introduction. Puisque pour certains et certaines d'entre vous qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous savez que j'ai créé ma chaîne il y a un petit moment de ça et que il y a une période j'étais très active, une période j'étais un peu moins active. J'ai décidé donc de faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu l'objet de mon retour, comment est-ce que les vidéos vont se passer, et je vais vous expliquer aussi finalement pourquoi est-ce que j'ai jamais trop réussi à reprendre un rythme régulier comme j'avais avant. Donc je vous laisse avec la vidéo. L'année dernière, j'avais commencé donc à reprendre mes vidéos. J'avais fait une petite vidéo dans laquelle je vous expliquais comme celle-ci, pourquoi est-ce que j'avais été absente, et surtout j'avais commencé à relancer un peu ma chaîne. Alors j'ai fait une aparté très courte, mais si vous entendez courir sur le plancher, c'est mon chien, donc il est hyper excité et qui fait que aller d'une pièce à une autre. Donc je m'excuse pour le bruit de fond. Je n'ai pas réussi donc à tenir le rythme que je m'étais fixé, pour la simple et bonne raison qu'avec mon chéri, on a emménagé ensemble, et donc c'était dans un appartement qui nécessitait beaucoup de travaux. Donc c'est le fond dans lequel je suis, donc j'ai l'impression que mon fond change à chaque nouvelle vidéo, mais voilà. Et donc on a dû faire beaucoup de travaux. Et à côté de ça, donc moi au niveau professionnel, c'était extrêmement chargé aussi. Je faisais des très grosses journées puisque je m'occupais en fait de l'organisation d'un très gros événement dans la ville dans laquelle j'habite. Voilà, donc les deux combinés, ça faisait beaucoup entre les travaux, moi mon boulot, je suis encore en études, donc j'avais des examens à passer en même temps, enfin, c'était une période assez compliquée. Cette année, j'ai décidé donc de revenir bel et bien, de revenir en force, et surtout de revenir dans la durée, puisque comme jamais, ça fait un moment que je me prépare à la réouverture de ma chaîne. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez dû voir quelques petits changements, ma photo de profil qui a changé, ma bannière YouTube qui a changé. Si vous regardez cette vidéo, vous allez voir mon outro qui a changé. Enfin voilà, j'ai vendu mon ancien appareil photo, j'ai investi dans un nouveau, j'ai investi dans des éclairages. Enfin voilà, j'ai vraiment décidé de me lancer à fond. On va passer tout de suite à la partie du rythme des vidéos. Tous les mercredis à 18h, vous aurez une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc sur cette chaîne. J'ai décidé également donc de me créer un blog à côté de ça. Donc je vais essayer de publier des articles assez régulièrement, idéalement toutes les 2 semaines. Donc ça en fait environ 2 ou 3 par mois. Je vous mettrai donc en barre d'infos sous cette vidéo le lien vers mon blog. Vous retrouverez donc des recettes pour faire des shampoings, pour faire des masques, tout ce qui me plaît, vous le retrouverez sur mon blog. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, j'ai publié 4-5 articles, donc il n'y a pas énormément de contenu parce que c'est quelque chose que je débute. Donc j'ai commencé quand même à vous mettre un peu de contenu, mais voilà, c'est le début, il n'y en a pas énormément. Et comme je vous disais, je veux prioriser vraiment sur ma chaîne YouTube, donc je préfère faire un peu moins d'articles, mais en tout cas faire des vidéos de meilleure qualité et passer plus de temps sur le montage de mes vidéos et sur les thèmes que vous pourrez retrouver donc sur ma chaîne. Maintenant, je vais vous parler donc des thèmes que vous allez retrouver sur cette chaîne. Là, le thème principal que j'aimerais bien aborder, c'est sur les choses qui sont faites dites homemade. Donc voilà, j'aime beaucoup faire des choses moi-même. Je fais mes shampoings moi-même. J'aimerais bien faire voilà, des après-shampoings. Enfin voilà, tout ce qui est qui peut être fait en fait soi-même à la maison, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup partager sur ma chaîne. J'ai beaucoup envie de vous partager aussi des recettes de cuisine parce que voilà, j'ai envie de vous montrer qu'il y a des petites choses qui sont très simples à faire et qui sont très bonnes et qui prennent pas beaucoup de temps, et voilà, donc ça fait partie pour moi des astuces que j'ai envie de vous partager. Et donc pour résumer, il y aurait toujours des favoris. J'aimerais vous présenter beaucoup de choses homemade, des recettes de cuisine, des bons plans
vraiment des astuces, des choses un peu lifestyle, voilà. Je fais également une formation pour devenir praticienne en Ayurveda, donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, j'aimerais fortement vous faire quelques vidéos à ce sujet-là pour pouvoir vous parler un peu de ce que je fais, vous expliquer 2-3 choses. Je m'intéresse énormément à la lithothérapie aussi, donc pareil, si c'est des thèmes qui vous plaisent, j'aimerais beaucoup vous faire des vidéos à ce sujet-là, parce que voilà, c'est des thématiques que j'aime beaucoup explorer et que j'aimerais beaucoup partager avec vous. Donc je pense avoir fait à peu près tout le tour des sujets que je voulais aborder au sein de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, donc c'est hyper plaisir de pouvoir vous... Bah ça y est quoi, me relancer, me dire que c'est bon, ça y est, ça redémarre et que c'est le début d'une très très belle aventure, en tout cas, je l'espère. Donc je vous fais à toutes de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!